Bienvenue, je suis Peng Li, fondateur de Tout le monde y gagne, une entreprise qui a comme cœur de métier de créer des ponts entre le monde économique et le monde associatif, par notamment la mobilisation collective de salariés au profit de chantiers associatifs. Et donc, confinement oblige, je suis également donc isolé dans mon appartement avec cette question qui est de savoir comment continuer à faire du lien et puis à aider les associations dans leur mission au quotidien. Et c'est comme ça qu'est né en fait, cet instant partage et témoignage pour donner la parole aux associations locales et échanger sur comment elles vivent elles-mêmes ce confinement, comment elles ont adapté leur mission au quotidien et puis comment elles voient également l'après. Alors aujourd'hui, je suis avec Lucia Poulain, qui est responsable territoriale d'Ille-et-Vilaine de l'association Proxité. Bonjour Lucia et merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu déjà? Et puis, Très bien. comment vis-tu ce confinement? Écoute, ça va, je te remercie, Pang, merci de nous donner la parole. Effectivement, le confinement a un gros impact sur notre activité, donc on est obligé de composer, de faire avec, donc merci de te mettre à l'écoute. Est-ce que tu peux présenter déjà l'association Proxité et puis vos réalisations sur Rennes? Oui, et bien écoute, Proxité, un petit peu comme Tout le monde y gagne, on essaye vraiment de faire le pont entre le monde de l'entreprise et le milieu associatif. On propose des parrainages de proximité pour des jeunes qui ont entre 11 à 30 ans, principalement issus de quartiers prioritaires, isolés, protégés, par des parrains marraines qui sont bénévoles et qui sont tous issus du monde du travail. Donc, on essaye vraiment à l'échelle d'un territoire, très localement, d'un quartier, de créer du lien entre une entreprise qui est implantée dans un quartier, la plupart du temps prioritaire, et avec les jeunes de ces quartiers qui ne connaissent pas forcément bien les codes du milieu professionnel, n'ont pas forcément de réseau. Et donc, c'est une relation de confiance qui va s'instaurer entre un ou une jeune et son parrain, sa marraine, sur une durée d'environ un an, avec des rencontres physiques régulières qui sont accompagnées par une responsable de parrainage. Vous vous adressez à tous les jeunes. On s'adresse à tous les jeunes. Le seul critère pour un jeune pour qu'il soit parrainé, c'est sa motivation. On va rencontrer individuellement chaque jeune, chaque parrain marraine, et c'est vraiment à chaque jeune dès 11 ans de choisir si oui ou non il souhaite s'engager pour des rencontres hebdomadaires avec un parrain ou une marraine pendant toute l'année. Alors j'ai dit, tu es responsable territorial d'Ille-et-Vilaine. Quelles sont les actions que vous avez pu mener déjà sur ce territoire-là? Alors à Rennes, ça fait 3 ans qu'on a démarré les parrainages. On a commencé à Cluney, donc la petite Cluney, où donc, en fait, pour les adolescents, il y a 2 soirs d'antenne. Donc c'est des jeunes qui ont entre 11 et 18 ans. Et donc ils se rencontrent de manière hebdomadaire avec leurs parrains marraines au collège de Cluney, les mardis soirs au centre social le lundi soir. Il y a donc une vingtaine de jeunes qui sont accompagnés par leurs parrains marraines sur des thématiques liées à l'accompagnement à la scolarité, l'orientation scolaire ou professionnelle, l'insertion professionnelle. Et puis, bien sûr, l'ouverture culturelle, faire une sortie avec son parrain, sa marraine. Donc ça, c'est pour Cluney. Et on est aussi à Maurepas depuis cette année. Donc il y a une dizaine de binômes qui sont démarrés à Maurepas, grand quartier du nord de la ville, avec des gros besoins jeunesse pour les adolescents. Puis on a aussi également à Rennes démarré les parrainages de jeunes adultes. Donc là, c'est pour des jeunes qui sont plutôt 18 à 30 ans. Et les rencontres se font au sein du travail du parrain ou de la marraine, plutôt deux fois par mois, et donc avec des thématiques d'insertion professionnelle, souvent trouver un stage, une alternance, une formation. Alors, si j'ai bien compris, ce sont des binômes que vous constituez entre un jeune et puis un parrain ou une marraine. Comment sont orientés les jeunes chez Proxité, vers Proxité? Alors, on noue des partenariats à l'échelle très locale, à l'échelle d'un quartier, avec des structures qui, comme nous, œuvrent pour la jeunesse. Qui comprennent bien ce qu'on propose et qui voilà, nous permettent soit de présenter l'association auprès des jeunes, auprès des familles, soit de pré-sélectionner des jeunes à qui ils pensent que ça pourrait répondre à un réel besoin et ensuite nous comptons rencontrer Quel type de partenaire, par exemple? Tu peux en citer quelques-uns? jeunes. Pour les adolescents, on travaille notamment avec les établissements scolaires ou les centres sociaux. Les autres associations jeunesse dans un quartier, comme par exemple Amourpas, le GRPS ou Brésil Insertion Sport. Et pour les parrainages de jeunes adultes, on va travailler avec des structures comme par exemple l'association Unicité, des foyers de jeunes travailleurs, des structures de l'aide sociale à l'enfance, des D'accord. associations qui accompagnent des migrants. Et côté entreprise, alors comment ça fonctionne? Et côté entreprise, alors les bénévoles sont soit libres de venir de leur propre gré, c'est-à-dire qu'ils entendent parler de l'association et donc leur engagement est complètement indépendant de
de l'engagement de leur entreprise, mais voilà, ils sont parrain-marraine actifs dans le monde du travail. Ou alors, on peut aussi trouver des parrain-marraines grâce effectivement à des partenariats comme nous avec des entreprises à l'échelle d'un quartier. L'entreprise propose à ses collaborateurs de rencontrer Proxité et libre à ceux ou celles qui le souhaitent de s'engager pour du parrainage, soit pendant leur temps de travail, en fonction des entreprises, en fonction des disponibilités des collaborateurs, soit en dehors du temps de travail. Alors, je suis salarié, j'ai envie d'aider. Est-ce qu'il me faut absolument que je sois un expert de l'accompagnement ou est-ce que il me faut une expérience particulière déjà? Non, pas du tout. Pour la majorité de nos bénévoles, c'est un premier engagement bénévole, justement, notamment auprès de la jeunesse. Donc, c'est vraiment le critère principal, c'est d'être vraiment disponible pour un jeune, d'être là, dans la fidélité, j'allais dire, dans la présence régulière. Et ensuite, ce qui est très important d'avoir en tête quand on voudrait peut-être se lancer comme ça, c'est qu'on n'est vraiment pas seul. Il y a vraiment le responsable de parrainage qui est là, présent physiquement, hein, pour les rencontres avec les adolescents à chaque antenne, à chaque rencontre hebdomadaire. Et le responsable de parrainage crée des binômes qui, c'est tout l'enjeu, qui matchent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un temps d'écoute important sur les attentes d'un bénévole, sur quel type d'accompagnement un bénévole aurait envie d'accompagner un jeune, et aussi en fonction des besoins du jeune, de façon à créer des matchs en justesse. Et puis ensuite faire le lien avec la famille, les établissements scolaires, pour qu'il y ait vraiment un équilibre dans l'accompagnement pédagogique entre tous les acteurs. Le responsable de parrainage fait le lien entre tous. On propose aussi une formation d'accueil pour les nouveaux bénévoles parce qu'en fait, cette posture de parrain-marraine est assez unique, jusqu'où je vais dans l'accompagnement, jusqu'où je m'implique, quelle charge affective je mets dans cette relation. Donc tout ça, c'est bien sûr réfléchi ensemble. Super, tu as parlé de liens, de formation, de rencontres, j'imagine, et physiques notamment. Les impacts ont eu ce confinement sur vos missions et puis j'ai envie de dire comment vous êtes réadapté à cette situation. Effectivement, confinement oblige, plus de rencontres physiques possibles. Donc, par rapport à l'essence de Proxité qui est basée sur les rencontres physiques, ça a été donc un grand chamboulement pour nos binômes qui se sont formidablement adaptés pour tous ceux qui ont eu la capacité à travers, bien sûr, donc le virtuel, à travers les appels, à travers des séances en fait qui se sont transformées en séances en visio, tout simplement. Donc nous, on les a beaucoup encouragés à ça. On a été très vigilants au tout début du confinement à ce que, en fait, à respecter aussi hein, les nouvelles disponibilités des bénévoles. On a bien en tête que tout ça chamboulait également les quotidiens de nos bénévoles et pour certains, certaines, c'était vraiment compliqué de pouvoir continuer ces engagements. Donc il a fallu être patient, peut-être aussi parfois maintenir le lien nous-mêmes avec les jeunes quand les bénévoles ne pouvaient pas le faire parce que au niveau professionnel et personnel, c'était trop de chamboulement. Oui. Et puis petit à petit, là, les choses se posent un petit peu, les uns et les autres commencent à vraiment s'habituer à ce nouveau fonctionnement et on se rend compte que ça marche très bien pour ceux en tout cas qui sont équipés, hein, parce qu'on a aussi du coup pu observer qu'un certain nombre de nos jeunes faisaient face à ce qu'on appelle la fracture numérique et on n'avait pas de quoi maintenir un lien. Donc là-dessus, on a aussi essayé d'apporter des réponses à l'échelle nationale avec collectif d'autres associations où il y a eu près d'une centaine d'ordinateurs à l'échelle de la France qui ont été distribués à des binômes à proximité. Donc ça, c'était vraiment chouette de pouvoir apporter une réponse à ces jeunes-là. Donc voilà, pour nous, c'est l'occasion d'innover dans les rencontres entre les bénévoles et leurs filleuls et aussi dans notre activité au quotidien, c'est-à-dire faire des rencontres avec des bénévoles ou des mises en relation. Non, ben, tout va se faire en visio. Notre accompagnement pédagogique doit évoluer aussi, donc par téléphone, on passe beaucoup de temps au téléphone. Et puis aussi vraiment, comme je disais, de cibler les jeunes qui sont vraiment seuls ou dans le besoin et d'être spécialement disponible pour eux. Quels sont justement les retours de ces jeunes et également des parrains et des marraines? Alors pour les jeunes, quand c'est le cas pour la majorité des binômes, et quand le parrainage peut continuer, ils sont vraiment contents de pouvoir maintenir le lien différemment, d'avoir quelqu'un qui est là toujours pour eux. C'est toujours une source de fierté hein, quand on est adolescent d'avoir un adulte qui est là, qui est juste là, juste pour nous en tant que personne individuelle. On n'est pas dans une classe, on n'est pas dans la tribu de la famille. C'est vraiment juste quelqu'un qui est là pour nous. Donc c'est vraiment une source de fierté et puis de motivation, c'est-à-dire que c'est pas toujours évident quand on est chez soi, en tant que jeune, de trouver la motivation pour avancer sur ce travail scolaire de manière différente, quand parfois c'est compliqué aussi à la maison. Là, ça permet aux jeunes d'être boostés dans leur travail personnel.
ou dans leurs projets, hein, pour les jeunes adultes, certains ont dû tout mettre en stand-by sur leur recherche d'emploi, leur recherche de formation, et donc c'est source de beaucoup de frustration, parfois d'inquiétude, de stress. Donc l'accompagnement va leur permettre de réfléchir à comment organiser leur journée, à trouver de nouvelles ressources pour gérer ces émotions pas faciles à gérer, et puis aussi pour avancer malgré tout dans ces projets autant que faire se peut, malgré les conditions. C'est facile également de l'autre côté, du côté des parrains et des marraines. Alors là, on a une grande diversité au niveau de la disponibilité des parrains-marraines en fonction de leur activité professionnelle et bien sûr de l'évolution de celle-ci. On est assez épaté, honnêtement, par la manière dont se rend disponible vraiment la plupart de nos bénévoles, et ceux qui ne le peuvent pas, c'est vraiment qui ne le peuvent pas. Et donc, c'est vrai que c'est assez incroyable de voir. On a vraiment conscience, hein, que c'est un gros challenge pour les bénévoles de maintenir le lien du parrainage dans cette situation. Et vraiment, on est très fiers aussi de ces bénévoles qui continuent, qui ont compris en fait l'enjeu du maintien du lien social avec cette tranche d'âge qui est la jeunesse, dont on n'entend pas trop parler quand on parle d'isolement, et oui, qui pourtant fait face à de nombreux challenges aussi en isolement. C'est vraiment pas facile pour de nombreux jeunes. Est-ce qu'ils ont plus de temps, justement, dans cette situation-là de confinement? Alors, ça va dépendre un petit peu des binômes. Certains vont avoir des échanges un petit peu plus réguliers, peut-être un peu plus courts aussi. Certains vont faire plus de séances que d'habitude. Ouais. Il y a certains paramarines qui sont effectivement passés en chômage partiel et qui se donnent à cœur joie d'être davantage présents, effectivement, pour leurs filles. C'est très chouette. Comment ceux qui le souhaitent, qu'ils soient salariés, qu'ils soient particuliers, aujourd'hui, peuvent vous aider dans cette période de confinement? On est assez épaté par cette vague de solidarité qui se répand à travers la France et qui nous touche aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui d'entreprises aussi qui se rapprochent de nous pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes. Et clairement, nous, ce qu'on fait là pendant le confinement, c'est de consolider les relations qui existent et de les accompagner au mieux. Par rapport à cette impossibilité de se rencontrer physiquement, on a près d'une cinquantaine de binômes, notamment à Rennes. Donc il s'agit vraiment d'essayer de maintenir le lien au maximum avec les binômes existants. Pour les personnes qui voudraient aider, pour nous, il s'agit vraiment de préparer l'après-confinement. C'est-à-dire qu'on s'attend vraiment à une vague de gros besoins de jeunes qui auraient subi les conséquences de ce confinement après coup, et de nombreuses orientations de jeunes de la part de nos partenaires. On a vraiment besoin de bénévoles pour l'après-confinement, qu'on commence à rencontrer nous dès maintenant, comme ça en visio. On fait des rencontres bénévoles dès aujourd'hui pour les rencontres de deux. Tu as parlé de maintenir le lien entre vos binômes aujourd'hui, qui est très important, de penser également à l'après. Est-ce que vous avez mis en place à Proxité, notamment Proxité Rennes aussi peut-être, des projets spécifiques dû à la situation? De nombreuses structures, on a encore très peu de visibilité sur ce qui va être possible sur l'après-confinement, qui risque d'être un après-confinement quand même confiné. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est tributaire des partenaires qui nous accueillent, qui hébergent nos antennes, notamment pour les rencontres d'adolescents. Sur 30 binômes, en fait, on doit savoir si ces structures, qui sont des structures collectives, vont réouvrir, sinon nos antennes ne vont pas réouvrir. Et de même, les entreprises qui accueillent les binômes jeunes adultes, on ne sait pas si elles pourront réouvrir. Donc, on ne sait pas en fait comment ça va se passer, mais bon, on constate que pour la plupart des binômes, c'est ok pendant un temps comme ça assez spécifique de maintenir le lien de manière virtuelle. Oui. On va tout faire pour que ça continue comme ça, et surtout pour que les objectifs des jeunes soient atteints malgré le confinement. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, nous, avant de se quitter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Moi, je souhaiterais vraiment que les jeunes qui font face à l'isolement et à la solitude puissent trouver les ressources autour d'eux, en eux, pour vivre au mieux ce confinement. Je mettrai les coordonnées, évidemment, de l'association, et si tu le permets, peut-être ton adresse email également, pour que les gens qui souhaitent prendre contact avec toi puissent le faire par email dans un premier temps. Merci beaucoup pour cet échange, Lucia. Je rappelle que tu es donc la responsable territoriale d'Ille-et-Vilaine de l'association Proxité. Merci encore, et puis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt.